La plupart des jeux que j'ai pas terminés quand j'étais enfant, c'est simplement parce que je comprenais rien à l'anglais. Et je savais plus quoi faire. Moi, c'est parce qu'il m'indiquait pas où il fallait aller, donc j'étais perdu. Non, t'es toujours pas allé. C'est tellement bien dans Metroid Prime Trilogy de pouvoir se déplacer en boule tout le temps. Level design du jeu est vraiment fait pour qu'on saute. Et donc du coup, t'as rien qu'on peut sauter en boule. Oh. Ouais, je donne ça de play. Ah, le manque de système de sauvegarde et les codes. Ah, des codes. Les vieux jeux aussi, parfois ils étaient rigides comme tout. Ils J'ai étaient quoi? resté rigide dans leur gameplay. J'ai essayé Street Fighter 2, voilà quoi. Ça s'est amélioré avec le temps. Et pareil, et là, nous voyons Ridley Scott s'envoler. Quand j'étais petit, ce jeu me foutait les jetons juste avec la musique. Le mec, c'est un couillon. Hé, tu peux pas comprendre. T'as jamais été petit. How do you know, oh, merde. How do you know that? Je connais tout. Pour moi, le jeu le plus compliqué, parce que je suis pas doué du tout, c'était Tetris. Pour vous dire, j'étais meilleur à Tortue Ninja sur NES qu'à Tetris. En même temps, quand t'es pas doué, t'es pas doué. Hein. Oh bordel. Ça rappelle qu'il y a plein de jeux que je veux faire. Oui, normal. Genre, je me suis acheté Bayonetta il y a pas longtemps. Je veux le faire. Chuka, tu Oui. m'envoies ton Elgato par la poste quand ça le stream. Mon Elgato, peut-être. Ouais. C'est d'obtenir un partenariat vers Media. Oui, avec mes 25 abonnés, j'irai loin. Bah oui. C'est pratiquement s'ils sont pas en train de le donner dans la rue. What? Tout le monde a des alligators, pas des alligators, des avermédias. Vraie question, est-ce qu'il faut une bonne puissance de PC pour faire tourner un truc que tu fais par carte d'acquisition? Non. C'est la carte d'acquisition qui fait tout le boulot, quoi.
Bah, si tu veux streamer, ça c'est autre chose. Mais là, par exemple, les gâteaux, tout ce que tu enregistres, c'est le flux directement de la carte d'acquisition. Donc, du coup, ton processeur il travaille pas beaucoup. GG, Pepper! Pepper qui passe super bon sur Street Fighter V. Ça veut dire quoi ça? Il a redépassé les 1000 points. Oh. Il avait atteint les 1800 à un moment, mais après il est tombé sur que des mecs à 3000 points, donc il a pas arrêté de perdre. Matchmaking de Capcom. J'ai envie de jouer à Street Fighter V, moi. Non, arrête. Comme ça, je joue contre Pepper. Et contre Doku aussi. Ma chaîne YouTube. Vas-y, fais ta pub, Valence. Je vais faire plus, hein. J'ai changé de compte et je vais faire un bonjour avec. Bon, qu'est-ce qu'on peut récupérer ici? Et comme le Les nom de la chaîne l'indique, arènes. c'est une chaîne de VOD. Je stream sur la même chaîne Hitbox que Shuka et je mets juste les rediff. Mais c'est des rediffusions de live dans ce cas-là, c'est pas des VOD, parce que des VOD c'est des VOD quoi. Justement, c'est pas les C'est VOD, tout c'est ce qu'il pas y a sur la. YouTube. Non, c'est tout ce qu'il y a sur YouTube des VOD, hein. C'est du vidéo on demand. Ah, j'ai toujours cru que les VOD c'était les rediffusions de live, moi, justement. Oh, tu vas bouger, toi. I believed in you, Vance. Ouais, bah je sais pas comment t'as pu. Sad life pour faire le tour. C'est ça, ta chaîne de vélo. Ah si, j'ai ma chaîne GoPro, je vais faire du jeu de vélo. Auré va en refaire lui aussi, enfin une GoPro. Une coop? Une GoPro à vélo, mec. T'as jamais entendu parler de ça? Non. Toi aussi, tu dois faire des coops. Invite ma bonne. Invite MLDG. Invite Pilou et moi sur train. Comment ça, c'est le C'est prix? toi qui sois... C'est toi qui organise le Playtron, casse-toi. Ah merde! Tu me dis ça maintenant, toi? Bah ouais. C'est toi qui as proposé, c'est toi qui organise. Damn it. Record. Pardon? Je vais te faire le record, ça veut dire. Bah ouais. Bon, on a maintenant le double saut. Yes. T'es en haut de placement de produit. T'as vu ça, je fais ma pub Panté Live. Je vais peut-être Le mec. probablement faire, comme Shuka me conseille de faire, un restream. Stream à la fois sur Xbox.
Par contre, je sais pas encore si je stream sur ma chaîne à moi YouTube ou si je stream sur Polygaming. Je verrai bien. Bon, là faut retourner sur Panda Drift. Non, Fontaine. Je préfère pas faire ça pour la live dorée pour avoir une communauté qui viendrait que pour du Minecraft alors que je fais pas du Minecraft. Sinon on se retrouve avec une chaîne comme la mienne qui a genre 1000 abonnés pour 7900 100 vues. abonnés. Ouais, voilà. Quoique statistiquement, c'est correct, hein, si tu compares avec Auré. Hein. Ouais. Oui, je joue sur la version Metroid Prime Trilogy, celle qui est sur. Enfin, la version digitale sur Wii U. Et elle est en anglais parce que, visiblement, la version NTSC de Metroid Prime Trilogy n'a pas la version française dessus. Alors qu'elle l'est. Était vendu ici et que la loi interdit les jeux vidéo qui ont une traduction française de ne pas avoir de traduction française. What the fuck? Hein? Au Québec, depuis le 26 un jour en mai 2006, je me souviens bien. Ouais? On a passé une loi comme quoi, si jamais il y a une traduction française disponible pour les jeux vidéo, elle doit être disponible ici, au Québec. Pas logique. Oui. Ce que je peux faire par contre, Fontaine, c'est dire qu'après le live doré, j'en lance un. Heureusement, généralement, Auré finit un peu trop tard pour que j'en lance un. Auré finit toujours trop tard. Même dans le lit. Fait tellement tard que son partenaire a le temps est en train de dormir. Ghost Drago, tu peux finir Pokémon avec le même type de ton équipe. C'est un défi que je vais faire. Puisque j'ai envie de faire un défi sur la 3G, Pokémon Emerald ou Ruby ou Saphir, peu importe. Finir l'aventure en disant que des Pokémon pêchés. Et les Pokémon sous l'eau? Non, que disant que la canne à pêche. Ok. L'équipe de Magikarp au début. Non, je changerai quoi. Par contre, j'aurai un Léviathan, c'est cool. Trois Léviathans. Bah, j'aurai déjà un Gobou de base. Et Gobou, enfin Lagron, je préfère dire Lagron perso. Elle est assez puissant comme Pokémon, on peut dire. Donc ça va. Léviator est aussi très très fort. Yeri, la version qui est sortie ici de Pokémon Mega Donjon Mystère, il n'y avait actuellement aucune version française disponible. Donc du coup, ils sont passés dans les mailles du filet. Mais c'est Nintendo. Donc t'as Oui, il y a des Magikarp de projet, Pepper, pour répondre vite. Et sinon, il y a aussi Tentacruel qui est pas mal. Puis Poisson Roi. King. Je crois qu'il est possible de pêcher des hippotrampes à un endroit. Coquille Perle doit être pêchable. Donc tu peux avoir un Serpent ou un Rose Abyss. Par pot, si tu connais, mais faut avoir du pot. Est-ce que tu as capturé tous les Pokémon légendaires? Ouais, on va dire oui. Donc, il va falloir que tu captures un Wailord.
Ah bah ça je peux le faire pendant on va dire le vrai playthrough de la 3G. Ça c'est juste un défi que je veux faire. Sinon je vais faire un Ok. vrai quoi. Et le problème c'est que pour les Pokémon, j'ai envie de faire des overlays, faut que je prenne le temps d'en faire un overlay. Mais t'as pas besoin de faire des overlays. Si, c'était plus classe. Moi ça veut dire que je travaille sur mes vidéos. Mais non. Ah mais tiens, en parlant de vidéo, il y a le rendu de Duke Nukem qui est terminé. Il sera upload pour demain. Pour je sais pas quelle heure, pas. Et moi, j'ai fait 5 épisodes de Minish Cap durant la nuit. Hey, t'es habitué à T'es faire du disponible montage, plus moi. tard pour Winmaker? Oh. Oh. Ouais. Sauf Merci. faut bien que je sois là, parce que sinon, tu termines, tu fais la moitié d'un donjon avec moi et tu fais l'autre moitié avec quelqu'un d'autre, ça serait bizarre. Oh, ouais. Il faudrait que je me trouve une entité graphique comme ça joue. T'inquiète, Implosion, je peux le faire moi-même. Je vais pas déranger tout Flug pour ça. Pour un mec qui avait 6 abonnés. Donc ici je vais expliquer un truc. Dans la version NTSC, en gros on pouvait se tenir sur les objets sur lesquels on pouvait pas se tenir. Donc du coup, personnellement quand j'étais gosse, simplement ce saut ici. On pouvait le faire super rapide, super simplement. Et donc du coup, quand j'ai commencé à jouer à la version trilogie, je comprenais pas pourquoi est-ce que j'arrivais pas à faire ce saut correctement. Et j'ai vu d'autres let's players essayer de faire exactement pareil. Sauf que en réalité, bah, il faut passer par ici. Hey! Tu te souviens de cette zone? C'est celle où t'as rage quit et où j'ai commencé à devenir vraiment insupportable. Du time attack? Non, c'est pas du tout du time attack. Pour ceux qui ne le savent pas, vaut mieux pas avoir Valence quand il est sur lui. Non. Surtout pas pendant la live caca-catif. Allez! Oh yes. Et peut-être avec assez de vitesse? Non. Il y a un mur invisible. Je vois qu'il nous laisse au minimum attraper l'arme et ensuite qu'il nous mette le boss. Bah, c'est tellement mieux. Ah voilà, le boss il arrive. Donc on a tué les gamins, la maman se ramène en défonçant un mur.
Je crois que c'est le seul boss dans ce jeu qui affiche pas sa vie. Ah, j'ai pas vu le message de désolé Florian, mais oui, c'est pour être fan de ces péchés Kyo. Péché qui hein. What the fuck? On peut pêcher Kyo? Je crois qu'on peut envoyer sa canne à pêche dans la zone où est Kyogre, oui. Par contre, y a rien qui. Tu peux pas, y a pas de Pokémon, donc tu peux rien pêcher, mais je crois que tu peux bel et bien l'envoyer quand même. Ok. Chope des Magikarp. De toute façon, ce jeu, je l'ai eu avec ma GameCube quand j'ai eu 8 ans. Et je crois que je l'ai fini à genre 14 ans pour la première fois. Pourquoi je fais le tour? J'aurais pu juste regrimper par ici. Ce serait coupé au montage. Baleine, c'est silencieux, parle. Ouais, je répondais dans le chat. Mais D'ailleurs, cet overlay là que je mets sur le chat hitbox, l'histoire fun c'est que. C'était pour un stream, j'ai streamé je crois 7 heures, mais il fallait plus de 7 heures pour le faire. mais c'est quoi cette police d'écriture? Dans le verlet? Ouais. Je sais plus. Elle est moche. Pop. Je sais bien que maintenant j'aime bien la Palatino, je ne sais plus quoi. Donc tu utilises des polices sombres, sobres. Genre la lato, elle est bien. Celle que j'utilise toujours pour le gaming. En parlant d'autres jeux, je fais rien aussi Okami. Okami, on est d'accord, la version Wii est mieux que la version PS3. Ça, j'en ai aucune idée. Il est sorti sur PS3? Bah, s'il est sorti sur PS2, ça me paraît très logique que oui. Où est-ce que ça vient pour les gaming? c'est tout simplement qu'on avait besoin d'un pseudo. Enfin, d'un nom pour notre chaîne communautaire. Et à l'époque, bah, la série que j'avais créée avec Maggie pour faire des playthroughs, bah, s'appelait Purement Poulet. Du coup, on a décidé d'appeler la chaîne Poulet Gaming, parce que c'était con. Un petit peu comme Valence. Je te permets pas. Wait.
d'État? Affirme-toi, Valens. Sinon, je vais continuer de t'insulter. Toi aussi, faut que tu t'affirmes alors. Que tu t'infirmes, t'as vu? Ouais, t'as vu. C'est purement poulet. Ouais, la version Wii d'OKU m'a l'air mieux parce que tout simplement pour pointer le pinceau avec le pointeur de Wii, ça me paraît mieux. Je sais pas comment ça va être sur PS3. S'ils vont demander de bouger la manette comme si tu conduisais, ce serait horrible. De toute façon, je pense que dans Akami, tu poses pour pouvoir dessiner. Ouh, ça fait tellement longtemps que j'ai joué au jeu que je m'en souviens absolument pas. Et vu mon habileté, ma précision au dessin, je me demande ce que ça va donner. De la merde. Putain, t'imagines même. S'il y a des viewers qui sont dans le chat qui savent dessiner et qui vont faire sur Akami, ils sont. Oh mon dieu! Ce mec, il sait même pas faire une ligne droite. C'est vrai, en plus, mes lignes sont jamais droites. Je me suis pas pressé, mais à un point. Cet endroit. Puis quand j'étais petit, c'était l'endroit qui m'arrêtait, qui me faisait, qui faisait en sorte que j'arrêtais le jeu la plupart du temps. Dans ceux qui savent dessiner, il y a tout Fly, forcément. Il y a Minisha. Je crois que Nefin aussi. Si eux vont assister à mon live sur Okami. Quand j'en ferai un jour, ils seront en PLS sur leur chaise. Yeah, moi, j'utilise ma règle pour les lignes droites. Je dois avoir raté quelque chose. Effectivement, j'ai raté quelque chose. Le seul truc que je savais bien faire, c'était les rosaces au compas. Je savais rien faire d'autre. Moi, c'est à peine si j'arrive à faire un carré. On va obtenir un super missile qui est un missile super. Un petit peu comme la Nintendo, la première Nintendo et puis la Super Nintendo.